On accueille Paul pour le G-Show Party 1. Alors, Paul, vas-y, je t'invite à t'asseoir. Alors, du coup, pour ton G-Show Party 1, tu nous emmènes à l'événement sportif Interteam, édition 2003. Ouais. 2017, pardon. Troisième édition. C'est pour ça. C'est ça. Lapsus. Vas-y. Alors, du coup, raconte-nous tout ça. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Alors, du coup, je suis allé voir ce qui s'y passait. On nous a invités là-bas justement pour aller voir ce qui s'y passait. Donc, il y avait pas mal de jeux gonflables. De jeux gonflables. Histoire de s'amuser un peu. Beaucoup d'équipes, 32 équipes. Alors, qu'est-ce que c'est en fait aussi Interteam? Parce qu'on dit ça comme ça, mais pour les personnes qui ne connaissent pas. Interteam, c'est le jeu de l'été, un peu comme Interville. Qui en gros c'est 32 équipes qui se battent entre guillemets en duel. Il y a beaucoup d'épreuves. Ouais, sur une bonne quinzaine d'épreuves. Ouais, je crois, je l'explique mieux après. Très bien. Ouais, en gros c'est ça, ils se battent et après il y a le mur des champions pour départager à la fin qui est le grand gagnant. Ok, on regarde un petit peu ce que ça donne en image. Exactement. Ok, ça marche. Alors nous voici au stade Paul Chandon pour la troisième édition d'Interteam organisée par Épernay & Co. On a Épernay en ce moment même. On va aller s'occuper de toutes les épreuves qui se situent autour de moi là. On va aussi tâter l'ambiance et les groupes qui sont tout autour de moi aussi. Il fait tellement chaud que le maillot de bain de rigueur, du coup on va aller rigoler un peu. C'est Épernay & Co, votre association, vous pouvez nous en dire plus? Alors Épernay & Co a pour but de divertir le bassin sparnassien, c'est-à-dire qu'on organise des sorties comme Walibi une fois par an par exemple. On fait des lotos, on essaye de faire quelques animations, dont Interteam une fois par an, le gros événement d'Épernay & Co. Alors, le but d'Interteam à la base, c'est de se faire rencontrer des gens qui soient sportifs ou non, pour une journée de détente et de convivialité entre sparnassiens ou pas. Ça commence à être relayé au-delà de la Marne, de la Haute-Marne, l'Aisne et les Ardennes, et reprendre l'esprit interville, mais revisité à la sparnassienne. Où la vachette? Alors la vachette, pour un souci de protection des animaux, on s'était renseigné, mais c'est impossible. Et il y a combien d'équipes? Alors 32 équipes de minimum 8 personnes. Ils peuvent aller jusqu'à 10 personnes puisqu'ils ont le droit à 2 remplaçants par équipe. Il y a combien d'épreuves en tout? On a 16 épreuves, dont la dernière, l'épreuve phare, le mur des champions, qui permet de départager toutes les équipes. Alors monsieur, c'est quelle équipe? Le patafouin. Ça se passe bien? Magnifique, regardez, je suis tranquille, tout va bien. On a même un sacré paquet de boules. Vous aussi apparemment, non? Troisième. Attention. Alors monsieur, c'était dur? Non, ça va. Ça reste simple, j'ai un bon binôme. Ah, c'est le binôme qui fait tout? Non, mais on est coordonnés, donc c'est le principal. Et ça se passe bien, vous? Ça va, c'est mieux que les années précédentes. C'est quelle équipe? Tipiak 2.1. Ça se passe bien en ce moment? Très bien, très bien. Un peu arrosé, mais... Vous êtes humide aujourd'hui. Ah bah ouais, il y a ce qu'il faut là. C'est quoi votre nom d'équipe? Les Mambo. Un conseil aujourd'hui, c'est quoi? C'est le maillot de bain, le slip? Le maillot de bain, une bonne glacière pour récupérer entre les épreuves et puis de la bonne humeur. Maintenant, on a eu un petit défi avec les deux animateurs qui sont Jérémy Kiffel et Mounia de la Villardère. Et on s'est battu un peu sur plusieurs épreuves, histoire de départager quel est le meilleur animateur entre nous. T'as fait un interteam d'animateurs en fait. Exactement, okay. C'est ça. Du coup, on regarde qui est le meilleur. Exactement. J'espère que c'est toi qui a gagné quand même. On regarde. Alors je suis Mounia de la Villardière. Non, c'est toi. Non, c'est moi. J'avais envie de me prendre le temps d'un instant pour Mounia de la Villardière, mais non, je suis Jérémy Kiffel. Et vous? Et moi, je suis Rouquin. Non, je suis Mounia de la Villardière. Bonjour. Quel est votre rôle aujourd'hui? De divertir un maximum à l'exemple de ceux qui ont créé et puis qui ont animé pendant de longues années Interville. Moi, je sais que c'est déjà la troisième année que vous présentez. Comment ça se déroule l'ambiance aujourd'hui? Niveau ambiance, d'année en année, c'est super parce que forcément les gens parlent. C'est pas, donc le bouche à oreille fonctionne, c'est bien, ça fait plaisir. Organiser ça sur une journée, c'est pas donné à tout le monde et chapeau. Franchement, il y a un beau boulot et nous, on est ravis de faire, excusez-moi l'expression, mais on est ravis de faire les cons toute la journée. Se mettre en maillot de bain, c'est pas tout le monde qui le ferait.
Bon, du coup, on pourra se proposer un petit défi à la fin pour savoir quel est le meilleur animateur entre nous. Mais tous les défis que tu veux. Meilleur animateur, du coup, tu n'étais pas là ce matin. On est des Brels. C'est pas grave, on verra bien. Comme Jacques Brel, sauf qu'on est deux. Regarde, tu vois, regarde, il est déjà en condition, lui, regarde-le, là. Il a le t-shirt pour la course à pied. Non, je préfère t'affronter sur le mur des champions, tu vois, ce soir. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis fidèle au mur des champions, 3ème édition. Je triche un peu, je te l'avoue. Mais je pense que la grappe, elle peut être pas mal sur le mur des champions, Mounia. Moi, je veux t'affronter au ballon. Non, mais pour terminer, c'est vrai que j'aime bien. On va l'affronter au ballon, mais tu sais qu'on aime bien faire chier notre monde, Mounia. C'est-à-dire que là, t'as un, deux créateurs, un preneur de son. Mounia, dis, regardez. Ça fait un partout. Venez voir le juge. Est-ce que ce qu'elle a fait est légal en championnat ou pas? Est-ce que c'est bon ce qu'elle a fait? Non. Allez Mounia, fais le. Oui. Ah, qui est tombé en premier, monsieur le juge? Là, monsieur l'arbitre, tu dirais qui? Le casque rouge a perdu. C'est sûr. T'inquiète Mounia, je vais rattraper l'affaire juste là-haut. Viens, il va venir avec moi maintenant. Non, non, mais là, ça fait déjà 2-0, là. Non, mais si tu veux, on a été surpris. Parce que regarde, on a voulu. Attends, est-ce que je peux avoir un ballon, s'il vous plaît? Parce que regardez, Mounia, elle est balèze, regarde. Mounia, elle va te manger, Et moi, on marque plutôt au stade de Reims, ok? Tu vois, regarde, si t'avais affronté Mounia, regarde la misère que t'aurais, regarde. Ouais, ou pas. Mounia, viens. On va commencer, tu vas passer 4 boules là. Ils m'ont volé mes chaussures. Ils ont tellement perdu qu'ils me volent mes chaussures. On se rendez-vous dans une quinzaine de minutes au rodéo, d'accord? Y'a pas de soucis. T'inquiète pas, tu le verras pas le rodéo. Non mais tu filmes ça là? Ouais, on vient aussitôt. Le but de la tête pour les balles, ça c'est bien, c'est pas dressé. Oh, ça c'est la triste, C'est bien, moi, t'as gagné. Ouais. Ouais, désolé, hein, Jérémy Mounia. Ils nous appellent, ils sont pas contents d'avoir perdu. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à eux d'avoir participé à tout ça.